Oh merde, du coup j'ai... Oh merde, le con. J'ai cliqué sur la souris. Vous avez terminé et complété le jeu à 89%, vous pouvez retourner sur l'île en sélectionnant continuer pour terminer les quêtes inachevées. Ah oui! Qu'est-ce qui se passe si je fais terminer? Ça doit être ça, non? J'imagine. Ah voilà. Voyager rapidement d'un feu de camp à l'autre. Ah oui, on recommence au premier feu de camp. Le tout premier. On a une compétence même, c'est vrai. Merde, non, là on est à 100%. On est à 100% ici. Bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne reste plus qu'à choper les 2-3 trucs qui nous restent. Ouais, c'est ça, le boss à l'ancienne, le boss QTE, c'est à peu près ça l'idée. Alors ici, il y a chasseur d'esprit. Et ça, par contre, j'ai pas le droit de. À la limite, il faut juste que j'utilise voilà, la vision. La vision de mes deux, la bas de vision pour essayer de les trouver. Alors, c'est des trucs à shooter dans les arbres. Alors, évidemment, là je vous préviens, on va s'emmerder. Hein. Alors, regardez. Agadé. Ouais, regardez, il y a encore des caisses que j'ai pas prises. Incroyable, mais vrai. Alors après, il faudrait évidemment finir de... d'upgrader toutes les armes aussi. C'est assez infini quand même. Ah oui, j'imagine que c'est super bien planqué. Sinon, ça serait pas drôle. Mais bon, du coup, ça va rallonger un petit peu la... Ah oui, il y en a un juste en dessous que je viens de voir. Agadé. Ah non, mais vas-y, non, mais vise bien quand même, Lara. Respecte-toi un moment. En vrai, dans l'ensemble, le jeu est pas trop mauvais. Hein. Combien de temps ai-je mis pour le finir, d'ailleurs? 17 heures. 17 heures pour finir le jeu. Ça reste honnête. Ah oui, mais non, là, c'est... Là, c'est la suite, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai branlé? C'est-à-dire que là, on a un feu. Finalement, 17 heures de jeu, c'est pas extrêmement long, mais il y a pire. Il y a mieux aussi, largement. J'imagine, ouais, à 60 euros, effectivement, ça peut un peu sentir la carotte, tout de même. Mais je l'ai eu en promo, donc je vais pas me plaindre. Ça serait mal avisé. Ça serait mal venu. On va vraiment se faire chier quand même. On va vraiment se faire chier. Salut petit. Mais c'est un petit peu vive la bat vision en fait. Vive la bat vision, pardon. Cette quête là. Enfin, ce. Et d'essayer de remplir à 100% le jeu. Quoique, il y a des choses que j'ai pas tout récupéré hein, dans les géocaches, les reliques, etc. Il y en a qui restent encore planqués. Je ne doute pas que je les trouverai un jour. Après, j'ai joué au jeu en mode difficile, donc peut-être ça a rajouté aussi de la difficulté et du temps de jeu. Ce qui ne m'étonnerait pas. Bon, après, il y a des trucs un petit peu ridicules comme Lara qui commence en, bon, en innocente et qui finit voilà par
défoncer le crâne d'un ennemi à coups de pioche. C'est tellement propre. Après, oui, non, mais c'est, je trouve ça assez honnête. Après, c'est vrai que d'un point de vue Tomb Raider-esque, comment dire, c'est plus un jeu d'action qu'un Tomb Raider, même si les Tomb Raider ont toujours été des jeux d'action. Enfin, action-exploration, l'exploration est quand même assez limitée, il n'y a qu'à voir les temples dans le jeu qui sont pas franchement d'une difficulté extrême. Maintenant, le jeu répond bien aux commandes et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Réactif, les combats au flingue sont sympathiques, bien ficelés. Par contre, là, on voit vraiment que dalle. Hein. C'est pas que je veux faire chier, mais on voit vraiment que dalle. Ah ouais, là vraiment. Ils sont où les petits Yookies? Attendez, que je me cours pas. Oui, voilà, là on va remonter au premier, tout premier camp qu'on trouve dans le jeu. C'est peut-être pas par là que je vais trouver les trucs à défoncer. De toute façon, je suis pas tout à fait sûr de faire... Si je fais le 100%, je le ferai peut-être hors stream ou que sais-je. Ah. Ah oui, c'est vrai que du coup, on se retrouve avec des éléments comme ça. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Oh, la belle prise. Et finalement 6 sur 10. Ah, c'est vrai qu'ici il y a des cerfs. C'est vrai qu'au début Lara est tout émotionnée de devoir tuer un cerf. Quand on a vu la fin du jeu, c'est pas qu'il y a de quoi rigoler, mais quand même. Mais oui, peut-être que du coup, pour les streams, ça va être remplacé par autre chose. Très certainement. J'ai un petit batou Arkham Origins à faire. Ça serait sympa de s'y atteler un de ces quatre. Et à quoi sert cette corde sur cet arbre? Je n'en ai fichtre aucune idée. Ah, je suis pas tout à fait sûr que Smite... Enfin, c'est pas que je veux pas Smite, mais c'est que j'ai tellement de jeux à faire en ce moment qui sont en attente, etc., etc., que ça va être difficilement possible. Je n'aime absolument rien contre Smite, hein, évidemment. Surtout avec la petite surprise de la semaine prochaine. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est donc? Et c'est dommage qu'on n'ait pas les deux flingues après avoir fini le jeu aussi. Tiens, j'y pense maintenant, mais du coup, ça aurait pu être une petite récompense sympathique. Offrir aux joueurs les deux flingues, histoire de s'amuser.
Mais il sert à quoi ce... Il sert à quoi cette corde, sérieusement? Bon, ben voilà, sinon il va falloir se trouver un petit sujet de discussion pour la fin du stream. Vu que là, je vais m'amuser à tourner comme un con dans les décors. Ça va être rigolo. Oh, le petit lapin, le petit pampan. Un petit headshot sur pampan. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas cruel. Salut la bibiche. Salut bibiche. Ça va? Ah, je ne comprends vraiment pas à quoi sert cette corde. Ça m'étonne qu'ils aient foutu ça en plein milieu sans que ça ait une utilité. Je suis étonné. T'inquiète pas, Bibiche, t'inquiète pas. Je ne vais rien te faire. Il faut plutôt bien observer les environs pour être sûr qu'on loupe pas. On loupe pas un petit truc à défoncer. Ah oui, là c'est vrai que c'est le début où on trouve l'arc tout pourrite qu'on récupère sur un cadavre. Charmant. On s'éclate. Ah, et si, ce qui restera quand même, c'est la mort de Dimitri à la fin, tué par le Oni. D'ailleurs, on comprend la rage de Lara qui décide de buter le gros Oni parce que, quand même, Dimitri, quoi, merde. Il avait fait le taf pourtant au percu. Mais où ont-ils planqué ces putains de... ces putains de totems? Ah, casse-toi avant que je te la refasse. Ah oui, c'est magnifique, oh, qu'est-ce qu'on s'éclate. Du coup, est-ce que quand on remonte au camp de base, il y a quelque chose? Parce que du coup, je ne sais plus. Je ne sais même plus ce qu'il y a avant, en fait. Si ça se trouve, il y en a un là. Hein. Ils sont capables d'en avoir planqué un. Qu'est-ce que je disais? Voilà, le début est ici. Ce qui fait qu'il en reste plus que 3, pardon. Ce qui est à la fois peu et beaucoup à la fois. Ah, c'est des petits salopios, hein. C'est des petits salopios. Ah, bien sûr qu'on peut parler de Fallout 3, évidemment.
On peut parler de tout ce que vous voulez. On a fini le jeu, on est tranquille, on est posé. Ah, Fallout 3. Là que je continue d'ailleurs la partie avec Corinne Sharpie, la bien nommée. Bon, je n'ai toujours pas compris ce qu'il y avait avec cette corde. La corde de l'angoisse. Le Jefferson Memorial, est-ce que dans le Jefferson Memorial, c'est là où il y a le fameux purificateur? Oh, la petite chute de Lara. Si je dis pas de bêtises, c'est là, hein, je crois. Il y a le purificateur d'eau. Si c'est ça, oui, il sera revisitable à un moment. Mais peut-être pas revisitable, comment dirais-je, librement. J'en vois pas plus ici. On n'a pas le droit de sortir son flingue. Mais pourquoi t'éteins ta torche alors que... Espèce d'imbécile. Bon, on est revenu dans cette zone magnifique. Je vais les trouver. C'est moi ou il y a une corde ici? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une corde. Ah, l'armure Tesla. Alors, l'armure Tesla, ceci dit, tu vas en trouver dans moult endroits. Et surtout sur moult cadavres. Puisque grosso modo, tous les soldats de la confrérie de la scie en portent. Et en fait, on trouve régulièrement sur... en se baladant... Des combats entre, par exemple, des membres de la confrérie et des mutants, etc., etc. Résultat, bien souvent, on récupère comme ça des armures Tesla. À moins que ce soit ceux de l'enclave, je sais plus. Alors, je ne sais pas si je confonds pas les deux grosses armures. Les armures Tesla. D'un coup, j'ai un doute. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus de loups dans le coin. Alors qu'au début du jeu, il y en a. Et là, les loups sont partis. Si je me souviens bien, ici on peut monter la carte où le trésor se trouve dans cette direction, il se trouve même ici. Du coup, peut-être que de là on peut choper encore. Oui, la Tesla Palacis, c'est normal. C'est vrai qu'elle est plus rare.
Oui, je sais où tu vas en retrouver au cours du jeu. Il y a un endroit du jeu où tu vas, ouais, où tu vas tomber sur plein d'ennemis qui emportent. Ça va être une grande partie de plaisir. Sans en dire plus. Parce qu'évidemment, c'est Fallout, donc y a toujours moyen de gruger. Mais ouais. Tout n'est pas perdu. Alors, les trois derniers, je dois bien vous avouer que je ne sais absolument pas où ils se trouvent. Hein. Ils les ont vraiment bien planqués, ces conneries. Bien planqué de chez bien planqué. Bonsoir Denimside, bienvenue. Ah, le renard gothique n'est pas du tout fait. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas bossé dessus depuis une semaine puisque c'était les vacances. C'était les petites vacances. Mais peut-être que dans la semaine, j'aurai le temps de d'en faire un. Il faudra que je fasse éventuellement quelques recherches histoire d'eux, mais. Enfin, faut voir, faudra voir. Comment vas-tu? Ah. Oh, ça y est, j'en ai trouvé un autre. Oh, ça me fait plaisir. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'en trouver un autre. Il en reste plus que deux. Aucune idée d'où on va les trouver. Ça risque d'être compliqué, même. Ah, d'accord, rangé dans une armoire. Alors, si le jeu ne détruit pas le contenu des armoires, parce que si j'ai bien compris, ça peut arriver. Eh oui. Dans les vacances, je suis pépère. Tranquillou. Les doigts de pied en éventail. Enfin, pas vraiment. C'était pas vraiment des vacances. Où j'ai rien branlé. Les vacances visite. Allez, montrez-vous, les petites, montrez-vous. Même si là je commence quand même à me demander si je vais vraiment les trouver, ces deux dernières. Parce que où est-ce. Le problème c'est comment être sûr qu'on a regardé à tous les endroits. C'est bien ça le problème. Parce que pour peu que ça soit planqué dans des endroits improbables, on n'est pas sorti du sable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vas-y, monte sur l'arbre. Ben voilà, tu vois quand tu veux. Je vais les trouver, je vais les trouver, je vais les trouver. Je cherche compliqué. Je n'ai point compris. Oh merde! Oh le, oh la conne! Elle s'est complètement viandaxe. Elle s'est complètement viandaxe. Ouais, que 9 durées de vie limitées, j'avoue. Ça serait tellement propre.
Pauvre petit oiseau, on a déjà tué une biche en début du, au début du jeu. Pauvre biche, elle avait rien demandé. Elle était innocente, la biche. Et maintenant, il y a un petit Bambi dans la forêt qui se balade et qui un jour viendra tuer Lara pour se venger. Oh, l'infini de la plante. L'infini de la plante. Elle s'est fait complètement lavementer par trois pauvres brindilles. Je vais y arriver. Un jour, j'arriverai à articuler. Ne vous inquiétez pas. Hein, je n'en doute pas une seule seconde. Oh là, mais les brindilles de l'angoisse. Elle déconnait pas, les brindilles. Hein. Auteur pour de livres pour enfants. Je crois pas, non. Je crois que ça serait une mauvaise idée. Ah, chasser les biches au magnum, j'avoue. Quoi qu'on peut le faire au fusil à pompe, hein. On peut complètement le faire au fusil à pompe. Agadé. Agadé, un beau fusil à pompe. D'ailleurs, si on upgradait, si on peut peut-être finir d'upgrader quelques armes, non? L'arc s'est fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Les chargeurs de améliorés de grande capacité. Mais ça rend le flingue moche, en fait, je trouve. C'est dommage. Mais regardez-moi, c'est complètement ridicule, quoi. C'est juste complètement ridicule, encore que bon. On fera ça en dernier. On fera ça en dernier. Là encore, à la limite, pourquoi pas. Il y a quelques trucs qui se justifient. Comme le chargeur. On pourrait mettre un vrai chargeur sur ce fusil à pompe. Ça aurait du sens. Hey Momiji, bonsoir, bienvenue, comment vas-tu? J'espère que ça va bien. Fait plaisir à tout le monde qui revient, même après une semaine de vacances. C'est cool. Je vais te trouver, petit totem, je vais te trouver. Je vais te trouver. Mais où ont-ils pu bien les foutre? Bon, après, ceci dit, on peut changer de zone et se faire chier à chercher autre chose. Alors, on va faire ça. On va changer de zone. On reviendra avec un regard neuf plus tard ici. Mais ça va bien aussi, merci. Ça va bien. Allez, hop, voyage rapide, voir les régions. La région de base, ensuite, forêt littorale, oui. Ah mais d'accord, cave abritée, on peut y retourner comme ça, tranquille, tranquille, sans problème. Ce sont des gros feux, d'accord. Ici, il nous manque une relique dans la base, dans le labo de recherche. Ah mais oui, je sais, c'est la fameuse relique que j'ai pas réussi à trouver. Alors parce que du coup, je suis complètement paumé. Je suis complètement paumé. Au niveau des camps et enfin surtout de la répartition sur la map et tout. Agadé, des trucs à trouver ici, le village de montagne. Le temple aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a moult camps dans ce coin-là. Là, la base, c'est terminé à 100%.
La base dans la montagne, ce n'est pas terminé. Tout comme l'extérieur de la base, il y a une géocache, une carte au trésor. Ben, on peut peut-être faire ça. Elle a encore ajouté des trucs, Lara, hein, là où elle avait mis le journal. Elle avait rajouté un paquet de trucs, notamment une moitié de katana. Oui, tout à fait. Vous ne rêvez pas, une moitié de katana. Elle est où la géocache? Dans ce coin. Oh, c'est pas grave, on va chercher la carte au trésor. Il se trouve par là. Allons-y, allons voir. Par où est-ce qu'on y va? Bonjour. Oh merde. Oh, j'y étais presque. Merde. Oh mais fais pas la conne, Lara, fais pas la conne. Fais pas le fou. C'est par là. Ah si, je le sais, c'est par là. Non mais... Arrête de mongoliser et monte. C'est quoi cette blague? Cette blague. Cette vieille blague. Et alors, oui, il n'y a rien d'autre ici à détruire. Là, il y a juste des éléments à récupérer. Sinon, on est tranquille. C'est peut-être un chemin avant qu'on peut le récupérer. Pas en fait. Maquet. Ah, regardez les munitions, c'est tellement gentil. On pourra toujours refaire la dernière partie du jeu, mais oh, ça serait quand même bien de trouver. Bon, après, bon, je crois qu'il y a tellement de trucs à trouver pour faire le 100%. Il y a un moment ou un autre, ne serait-ce que pour les trucs à détruire, peut-être qu'un petit spoil pour faire avancer, ça sera pas du luxe. Bon, là, je vais galérer pour trouver comme un con. Alors que probablement c'est tellement évident que vous êtes en train de rigoler de votre côté. En vous disant mais quel con. Et vous n'auriez pas tout à fait tort. Ah mais attendez, ça y est, je viens de voir, il y a une corde. Ça y est, je viens de voir, il y a une corde, il y a des conneries de corde. Il y a des conneries de corde. Trouvons. Trouvons. Que je finisse de monter, je ne sais pas. Allons-y, allons-y. Ah mais non, mais j'y étais en fait. D'accord, en fait c'était aussi con que ça. Ah mais je le vis bien, je le vis bien. Voilà, et du coup, la dernière géocache, elle se trouve ici. Et beaucoup de cordes qui vont par là. C'est très impressionnant.
Ah, allez, cours, ma petite Lara, cours! La géocache t'attend, elle est là que pour toi. Oui, d'accord, c'était juste de l'autre côté. Oh, bah, c'est de la merde. Voilà, bah, finalement, l'extérieur de la base, ça fait une zone à 100%, et ça, c'est bon. Oh, les petits sauts du swag. Non, mais voilà, finalement, on a trouvé. C'était pas si dur, mais regardez, regardez les petits sauts du swag par-dessus les sacs de sable. Quelle championne cette Lara, quelle championne. Il est où le petit camp? Il est là. Bon, bah, petit voyage rapide. Allons-y. Ah non, s'il te plaît, non. Allez, ici, il y a 5 trucs à détruire. Non-croyant, ne me demandez pas ce que c'est. Peut-être à détruire, peut-être à enflammer. Elle est mail. Non, merci. On va essayer de trouver. Très important de mettre les silencieux. Sinon, quel est l'intérêt? Là, il y a un petit baril explosif. Histoire de tout faire péter, sinon c'est pas drôle. Vous vous rendez bien compte. Ah oui, là, d'accord, on arrive au... Bah ouais, le chat est pas très... Ah, voilà, j'ai trouvé, c'est ça. Donc il faut brûler tous ces trucs. D'accord. Bon, bah c'est parti, hein. On va chercher sur les murs. Faut détruire des bannières. Vive les explosions. J'ai quand même pu voir un message avant que... Avant que Moubot ne fasse son taf, hein, désolé. Ah oui, c'est vrai qu'on se retrouve là. Ben regardez, il y en a un petit là, juste là. Voilà. Petite musique qui fait peur. Hop là, il y en a un ici. Ah là, ça va aller peut-être un petit peu plus vite. Déjà 3 sur 5. Je reste persuadé qu'on peut terminer cette zone facilement. Et là on peut pas d'accord, on peut pas forcer. Nightbot n'est pas très Michael Bay friendly. Je crois que c'est ce qu'il essaie de nous dire, Nightbot. Nightbot n'est pas très... n'est pas très fan de Michel B. D'accord. Et c'est le début du niveau. Donc, bah, il n'y a plus que deux bannières, pardon. Pardon. Oh là là, c'est terrible. Plus que deux bannières à trouver. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que Nightbot applique un petit timeout d'une seconde, et le principe du timeout... c'est de tout faire sauter en fait. Sans aucun respect pour les messages précédents, donc effectivement c'est normal que les autres messages sautent.
Non, j'ai pas regardé d'autres vidéos d'Ishigata. Je dois avouer. C'est terrible, c'est terrible. Faudra que je le fasse. Faudra complètement que je le fasse. Ah, voilà. Hop. Et de 4. Allez, bientôt, bientôt la cinquième, j'en suis sûr et certain. Ah oui, alors que là, il y avait un petit camp, genre on s'en fout en fait. Ah, et le Dimitri qui était mort a disparu. Il n'a pas laissé de trace, paix à son âme, rip in peace, mec. Ah, cool, Maxou, bah tant mieux. Oh, le petit groupe Sim, c'est pas qu'il est super actif, mais c'est sympa, ça permet à toutes les personnes qui suivent un peu ce stream, et celui de Oli et celui de Mizu. Ça leur permet de se retrouver, voilà, c'est rigolo, c'est mignon. On est entre nous, c'est. Ah ben voilà! On est entre nous, c'est bien. Voilà! Et du coup, ça me permet de débloquer un petit succès. Et la base dans la montagne est terminée. Voilà une bonne chose de faite. D'accord, Max. Non, mais c'est pas grave, hein, ça regroupe tout le monde. Ah, tu n'as pas Steam, c'est vrai. C'est vrai, bon, mais c'est vrai qu'après il y a Twitter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Temple dans la montagne. Le temple de montagne, pardon. On n'a pas la carte au trésor. Il nous manque des trucs de pyromane. Il y a le bidonville aussi à faire. Ah, les grottes géothermiques. Ah, ça, c'est bien de la merde. Ça, c'est un 100%. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça en fait plaisir. Ça en fait plaisir. La base de recherche. Bon, bah, on va s'attaquer à. On peut le faire dans l'ordre, hein, le temple de montagne. Allons-y. Alors là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pyromane et carte au trésor. Où elle est la carte au trésor? Elle est ici. D'accord, elle est juste en dessous en fait. Ah oui, elle est bien planquée, ok. Ah, que Facebook DeviantArt. Alors j'ai DeviantArt. Bon, il n'est pas très rempli mon DeviantArt, mais j'ai. C'est pas des conneries, hein. Et alors qu'est-ce que c'est que Pyromane? Ça, je n'en ai aucune idée. Ah, mais ça, c'est pas grave que le tien soit vide. Disons que pour moi, c'est un petit peu plus gênant quand on est graphiste, quoi. C'est bon. Ça la fout mal, comme on dit.
C'est ça en fait, c'est juste les lanternes à détruire. Ok. Ok. Des lanternes à trouver à détruire. Ça, je sens déjà que ça va être un poil plus casse-couille. Mais bon, hein, j'accepte le challenge. Je me demande si ça fait quelque chose de tout allumé. Je ne sais pas. D'ailleurs, je n'ai peut-être déjà loupé une. Oh oui, oh, j'en ai vu une. Elle est à 3 km, mais je l'ai vue. Oh, je crois que j'en ai même vu une autre. Atta, atta, atta. Vas-y, fais briller. Oh, cette précision. C'est tellement propre. Ah, mais Lara, elle déconne zéro de chez zéro. Oh mon Dieu, il fonce droit sur nous. Pas une petite lanterne par là, non? Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Mais oui, ça y est, je me souviens, c'est ce passage où il fait noir et ben, on est dans la nuit noire, et où faut tout défoncer. Vous allez me dire un petit peu comme une bonne partie du jeu. Et là, c'est vrai qu'il faut vraiment tout défoncer, quoi. Il m'en manque qu'un seul. J'aime bien allumer les trucs qui servent à rien. Ça me fait plaisir. Bon, là, je l'ai défoncé aussi. Et merde. Oh, le petit vol plané. Mais du coup là, on va sortir de la zone. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et en fait, de toute façon, on peut pas. Parce que je sais plus ce qui s'est passé dans le coin, mais du coup on peut plus y aller, bref. Ah oui, bah, elles se sont très bien passées, merci. Merci mon Midji. Elles se sont très très bien passées. On s'est régalé avec Oli. On a beaucoup couru, beaucoup marché. Surtout il faisait un cagnard. Il faisait très chaud. Très très chaud, mais ça en valait la peine, vraiment. Et ah bah c'est l'occasion de dire, si jamais vous avez l'occasion d'aller au zoo de Beauval, ça se trouve pas très loin de la Loire, je crois que c'est en Indre-et-Loire, si j'ai pas de bêtises, à moins que ce soit le Loir-et-Cher, bref. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment un très beau zoo. Un zoo de qualité, c'est recommandé par le renard, hein. C'est qualité renard. Complètement approuvé. Ouais, c'est vraiment très très plaisant comme endroit. On peut voir les animaux de très près, c'est ça qui est impressionnant. Alors le billet d'entrée est un petit peu cher, j'en conviens aisément.
Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Je crois pas qu'on puisse y retourner en fait par là. Oh. Oh. Serait-ce la dernière lanterne? Ben oui. Elle est ici, cette conne. Et du coup, on a terminé cette zone. Oui, donc voilà, le zoo de Beauval, c'est excellent. Allez-y, allez-y, ça vaut le coup. Ça vaut complètement le coup. Puis la région est très très belle aussi. Beaucoup de châteaux dans le coin. Alors faut aimer les châteaux période Renaissance. Ah, d'accord, j'avais complètement oublié ça. Ok. Je ne vais pas tourner autour du pot. Alisha est ta fille. Tu l'as peut-être toujours su, mais depuis que j'ai embarqué sur l'Endurance, je me dis que tu as le droit de savoir. Tu dois comprendre que je n'ai jamais cherché à t'évincer. Mais je te connais, Ross. Je sais comment tu vis et ce à quoi tu aspires. T'installer quelque part pour élever un enfant ne fait pas partie de tes projets. Je ne sais pas si j'ai bien fait. J'aurais peut-être dû te laisser le choix. Donc des géocaches et illumination. Où les géocaches manquantes? Ah oui, elles sont là, d'accord. Il manque le braconnage 2 et l'illumination. Oh là là, ça va être chiant. Ça va être méga chiant à trouver. Ah, malheureusement, c'est loin de chez toi. Ah, c'est dommage parce que vraiment, c'est très bon. Enfin, peut-être qu'un jour, tu auras. Merde! C'est ce qui s'appelle se faire surprendre. Parce que je me suis pas du tout attendu en fait. Il reste des Dimitri en fait. C'est ouf. C'est complètement ouf. Carrément des clones, oui. Ben, ils sont passés où? Quoi ces conneries? Bref, tout ça pour dire.
Oh merde, il y en a encore un en dessous. À Gadé. Et à son pote juste en dessous. Eh ben ma foi, que de rencontres, comme quoi toutes ces zones ne sont pas complètement complètement safe. Et pourquoi tu n'utilises pas ton... Oh bref. Merde alors. Tu vas mourir. Oh les cons, ils m'ont complètement surpris. Ah oui, quand je joue à Isaac avec le chat. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait, c'était calme. C'était très calme. Il n'y avait pas grand monde, mais là, bon, peut-être. On est quoi? On est dimanche. Après, faut composer avec. Tout le monde n'a pas la possibilité de suivre tout le temps. Mais oui, sinon, pour. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, mais voilà, il est là le truc. D'un point de vue des vacances. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben oui, il a fait très chaud. Il a fait très très chaud comme un petit peu partout en France. En fait, c'est un coin de du pays où il fait très chaud l'après-midi, où il a fait très chaud l'après-midi et très froid le matin, ce qui est très surprenant en fait. Quand on s'y attend pas du tout. Oui, laisse. Non mais Lara, non. Voilà, merci. Par contre, je ne sais absolument pas ce qu'il faut, ce qui est illumination et braconnage 2. J'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, illumination, ça y est, ça me revient, c'est ces statues. C'est vrai, c'est les statues à allumer. Ok, Momiji. Ah bah j'espère que Taku va arrêter de se faire la malle, encore une fois. Ouh, le chat doit être encore plus calme. Ah oui, alors là, ça va pas du tout être long et chiant en fait.
et retrouver la dernière statue qui n'est pas illuminée. On n'est pas sorti de l'auberge. Attendez, je vais récupérer des munitions de... Ah non, mince, moi je pensais que c'était des munitions de pompe. Je suis déçu, je suis déception. Parce que du coup, il y a un deuxième camp dans le village de montagne, ici. Donc tant qu'à faire, autant en profite. Mais en fait, c'est blindé d'ennemis encore ici. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. T'inquiète. On devrait repartir? Non. Vaut mieux attendre. Oh merde. Bon, ça c'est fait. Ah oui, mais c'est vrai que les trucs reviennent du coup, parce que ça je l'avais déjà fait, ça je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais. Voilà, donc ce petit a été fait. Allez, il est où le Yuki? Où il est le Yuki? Oui, de toute façon, je crois qu'ici, j'ai pas trop le choix, en fait. Je crois que je suis bien obligé de descendre en rappel. Enfin, de descendre à la corde, plutôt. Je dis que des conneries, comme d'habitude. Ah, mais il est là, le dernier. Le petit tir à la tête à bout portant, c'était tellement la propreté. Ah voilà, parfait. Ça c'est fait, il ne reste plus que un œuf à trouver. Ensuite, il y a des géocaches aussi. Tout au nord. Il y a des géocaches à trouver. Et le braconnage 2. C'était quoi ce saut, Lara? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Neuf? Pense à neuf. Neuf quoi? Neuf... Ah oui, braconnier d'œuf. Neuf. C'est ça? J'ai compris, c'est ça le truc? Mais pourquoi? Attadé. Quel est le fuck? Alors, parce que du coup là,
Hop, on peut y aller. Ah ben voilà, non, non, il est pas là. Non, il est pas là, non. Oh, dommage. Ben merde, il est où le nœud neuf? Où qu'il est le nœud neuf? Ah merci, merci pour le neuf. Malheureusement, c'est pas ce genre de neuf que je cherche. C'est ballot. Hop. Bon, du coup, on va remonter. On va continuer dans cette direction. Il y a des chances pour que... Les œufs se trouvent par là. De toute façon, on a des géocaches à trouver. Géocaches qui se trouvent dans le ravin. Re, Momiji. Je ne sais pas qui il reste. Oh les cons! Oh les petits cons! C'est pas gentil de faire des surprises comme ça, voyons. Ça se fait pas. Alors, à moins qu'il faille passer quelque part par là, mais ça m'étonnerait tout de même. Ah bah c'est déjà pas mal, trois personnes. C'est propre, c'est beau. En fait, faudrait trouver le moyen de descendre. Là, je crois que c'est un temple. Oui, c'en est un. Oh, le petit Zozio. Le petit Zozio, le petit passant. En le buissant. Tellement de poteaux dans tous les sens. Finalement, la race est ramassée, mais elle est vivante. Et c'est ça qui est barrant. Je pense que... Ah, on peut le mettre ici aussi. Voire, on peut le mettre là. On peut en fait complètement le mettre là. Alors évidemment, grande question, comment on descend? Oh merde! Oh merde! Oh, c'était pas prévu.
Non mais arrête de faire n'importe quoi, Lara, et respecte... Voilà. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh, il est complètement là, le dernier œuf. Et je tente le saut magnifique. Mais non. Mince, il a déjà été pris. Ah non, c'est pas drôle, ça. Ah non, ça, c'est pas drôle du tout. C'est pas fun. Ah non. Oh, ça va être long. Ah, oh, ça va être long. Je sens que ça va être long, cette histoire. Je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Tu es plus âgé que quelqu'un. Magnifique. La question étant évidemment, qu'est-ce que ça fait? Quel effet ça fait de se sentir vieux? Vieille plutôt. J'espère que c'est pas trop dur, que tu le vis bien. Alors celui-ci, je l'ai déjà fait, je m'en souviens. Donc en fait, non seulement faut que je trouve le dernier, mais en plus il m'indique les anciens que j'ai déjà chopés. Et ça, c'est pas drôle. Et ça, c'est pas fun du tout. Je suis pas très content. Oui. Bon jeu. Ok, Momiji. Ah, j'espère que ça va s'améliorer vite. Oblique, maintenant je peux complètement accrocher des cordes, non, c'est pas ce que je veux, non, merci, non. Ah bah théoriquement il y a live, oui, si tu m'entends. Ah mince, Momiji, bon, de toute façon, pour être tout à fait honnête, je pense que je ne vais pas tarder à arrêter. Vu l'heure, par contre, cette géocache qui est tout au fond du ravin, je me demande bien comment je vais y aller. Ah, quoique. Ah, quoique. Je viens peut-être de répondre à ma question tout seul. Bah, en fait, c'était pas si dur. Donc, il y a une autre géocache juste ici. Qu'elle se trouve déjà
un peu plus en hauteur. Rien de bien insurmontable a priori. C'est même pas du tout insurmontable, c'est même très très facile. Ben voilà. Et il ne manque plus qu'un braconnage 2 dans ce secteur et on aura tout fait. Ça c'est fait. Ah, la rat ne range pas ses cordes, voyons. Laisse tout sortir comme une grosse dégueulasse. Aucun respect pour la nature, la petite Lara. Oui, c'est vrai que j'ai un point de compétence, merde. Ah bah oui, du coup, on n'a pas le choix, en fait. Ah oui, on a juste pas du tout le choix. Voilà, en fait, on a un petit 100% de partout, au niveau des compétences. C'est propre. Donc maintenant, on peut sentir les animaux. Ce n'est pas sale. Oui, Momiji. C'est une très très bonne question, Momiji. Je pense que ça fait partie de la même réponse que où est-ce qu'elle planque son flingue, son fusil à pompe et son arc. Alors l'arc, on le voit aussi, il est dans le dos, mais regardez bien. Magie des jeux vidéo. Elle a sorti son flingue et l'arc a disparu. Je sors le fusil, le reste a disparu, le fusil à pompe, c'est la même. Bref, tout va bien. Alors de là à répondre qu'elle les sort de son fondement, il n'y a qu'un pas évidemment que nous ne franchirons pas. Car cela ne nous regarde pas. Le nœud neuf, il n'est pas là. Le nœud neuf, il n'est pas là. Elle avait un bras entier dans un cadavre. C'est peut-être un début de réponse. Je dis ça, je dis rien. Tiens, est-ce que les quatre couillons sont revenus ? J'ai pas bien l'impression. Bref. Ah ouais, il nous manque vraiment que ce pauvre braconnage d'œuf.
Et on aura fait un 100% de cette zone. Ici, nous manquera deux chasseurs d'esprit. Oh, finalement, on n'est pas si loin que ça du 100%. Hein. Ah bah oui, une petite icône de lapin, tu as raison. Ah bah bienvenue aux deux personnes qui se sont rejoints alors. Magnifique, alors par contre ils arrivent au mauvais moment parce que je pense que je vais arrêter maintenant. Vu l'heure, on va faire... bah du coup ça a sauvegardé en ayant été au camp. Normalement. Eh oui, retourner au menu principal, ouais. Effectivement, il y a peut-être une histoire d'anus, hein, je ne sais pas. L'anus de Lara. L'anus qui fait office de sac à dos, dans lequel elle peut stocker absolument tout. Une sorte de sac sans fond, finalement. Mais tout ceci, nous le verrons. Alors, peut-être en stream, je ne sais pas. Je suis pas tout à fait sûr. Vu que, ben voilà, on a terminé le jeu, quoi. Hein. Le jeu est terminé, donc en stream, on fera peut-être autre chose. Je sais pas, peut-être que hors stream, j'essaierai de trouver le 100%, on le fera en fin de stream, un truc, ou genre... faut aller vite, il faut meubler, bref. Mais oui, les gens sont timides, évidemment. Dès que ça parle un peu d'anus. Oh, bonsoir Grimace, bienvenue, comment ça va? Ah, bon, pff, tu tombes un peu mal parce que j'avais arrêté, mais quand même, comment vas-tu? Ah, j'avoue, tu tombes mal. J'avoue, tu tombes un peu mal. Bon, allez, on va chercher un petit peu. Allez, bon, on va faire continuer. On va compléter une autre zone à 100%, le temps de discuter tout ça. Voilà, ça va prendre 10 minutes et puis ça sera très bien. Qu'est-ce qu'il y a demain? Alors, demain, déjà dans l'après-midi, il y a Oli qui devrait streamer, normalement. Sinon. Sinon, ben demain soir, on pourra éventuellement tenter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympathique? 100%, 100%, 100%, 100%. Ah, allez, on va faire un truc angoissant, on va faire des grottes géothermiques. Ah, Dragon Age. C'est bon choix. Oui, bah sinon, demain, qu'est-ce que... On pourrait éventuellement commencer Batman, Batou, Arkham Origins. Ici, c'est Étincelle qui me manque. Hein. Ah, ne me demandez pas ce que c'était. On va probablement trouver... Sinon, il y aurait toujours Valkyria Chronicles, qu'on pourrait continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Moult jeux auxquels on pourrait jouer. Un petit Isaac. Un petit Isaac du charisme. Le Batman que je... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des autres qui font peur. Le Batman que j'ai, que je dois faire, c'est Arkham Origins, parce que de toute façon, Arkham Knight, il ne tourne pas sur mon PC de Clodo. Ce qui règle donc, pardon...
le problème. Et c'est fort dommage, hein, parce que sinon j'y aurais joué à Batman Arkham Knight. Mais malheureusement... Donc ça sera Arkham Origins, que je n'ai jamais fait. Ça sera une découverte. Ah ben voilà. C'est donc ces choses, faut brûler des sacs. Hop. C'est le 3, le premier c'était Arkham Knight. Le second c'était Arkham City et là c'est le troisième, le Origins, qui n'a pas été développé par Rocksteady, mais qui fait partie du même univers. Je fais comment pour trouver mes titres sur YouTube? Malheureusement mon cerveau moisi me les dicte lui-même. En général j'ai pas trop à chercher, ça vient assez naturellement. Et je sais que ça peut être effrayant, mais c'est le cas. Bon, là je crois qu'on a dû trouver les corps de ce côté, on va continuer par là. Il nous en manque deux à trouver. J'ai jamais eu l'occasion de jouer à Alice Madness Returns. Ça pourrait être une très bonne chose à faire, ça. Ça pourrait être très rigolo, très sympathique. Et puis de toute façon, vous verrez la semaine prochaine, il y aura un nouveau moyen de combler des streams, ou même faire des streams entiers. Ça va être très rigolo. Et on va bien s'amuser. Ah ben je crois que j'ai trouvé les deux derniers. Non ? Ah non ! C'est pas un corps, c'est le côté de la partie qu'on peut escalader. Voilà, c'est ça Max Oubidou, c'est ça. Une soirée ni oui ni non. Oh, ça serait tellement moisi, c'est-à-dire qu'en 30 secondes j'aurais perdu, et puis on s'ennuierait quoi. Une soirée à Gario, c'est vrai. Une soirée où on fait que de la merde. Bon, en même temps, est-ce que ça changerait vraiment de ce que je fais d'habitude? J'ai quand même des doutes, hein. Paf! Allez, Lara. Fais pas ta mijaurée. Bon, bah voilà, du coup, ça fait une zone de plus finie à 100%. Avec tout le monde, complètement. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? La base de recherche, la forêt de montagne, où il nous reste des champlars à trouver. Oh merde, des champlars, oh, ça va être chiant. Oh purée, Adibou. Oh purée Adibou quoi. Ça, ça pourrait être un beau stream de l'angoisse. Alors là la cueillette, si je me souviens bien, faut trouver des champlars, autant dire qu'on va se faire chier.
Ouh, la bichette. La bichette. La bichette. Oh merde! La bichette qu'elle est mourue. Oh, allez, filez-moi les champlars, quoi, s'il vous plaît. C'est ça, c'est un petit peu ça. Je crois que j'en avais eu un seul de Hadibou. Ah, le champlar, il y en a un là. Agadé. Agadé, il y en a un là, il y en a juste en face, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est un. Ah non, merde, c'est un mono. C'est un moineau. C'est une connerie de moineau. Ça sert à rien, les moineaux, c'est con. C'est con, ça fait chier. Allez, faites péter les champlars, voilà, un petit champlar. Juste ici, vas-y. 6 sur 10, c'est beau. Il a 10 dans la question, ça je m'en souviens pas, tiens. Je m'en souviens pas du tout. Ah, on peut allumer ça? Oh, bah allez, vas-y. C'est rigolo, c'est récréatif. Le lapinou, tout ça, tout ça. Baston 06. Ah non, alors par contre, une soirée Just Dance ou You Sing, ça... Ça, ça a peu de chances d'arriver, hein, je vous le dis. C'est-à-dire que moi, sur un karaoké, c'est moyen quand même. C'est moyen, c'est très très moyen. Ah, magnifique, une soirée solitaire. Une soirée des mineurs. Alors ça aurait de la gueule. Alors évidemment, faudrait trouver des challenges ou des trucs dans le genre, histoire que ça ait un intérêt. Ils sont où les champignons? Ils sont où? On va commencer à se diriger vers cet endroit, histoire de voir si on n'aurait pas un ou deux par là. Où ça? Ah oui, mince, c'est un temple. Suis-je bête? On s'en fout. Les lapinous, mais ils sont gentils, les lapinous. Vous voulez pas te faire mal à un lapin, voyons. Vous êtes gentils. C'est complètement ça, le solitaire pro-gamer. Présenté par Dark Kevin du 72. Il va vous apprendre les ficelles et les rouages du démineur.
Les techniques de pro. Les stratégies adoptées. Comment briller en société grâce aux démineurs. Ah, les karaokés, c'est très très marrant, hein, sauf quand on sait pas chanter comme moi. Et là, d'un coup, ça devient beaucoup plus glauque et stressant, en fait. Ah, je vous assure, vous avez vraiment pas envie de m'entendre chanter, hein, ça... Oh, Dimitri au percu. Pauvre toutou. Ça me fait de la peine, mais en même temps, ils sont enragés, les pauvres. Mais y a pas de Champlar par là, non? Elle est où, Jeanne? Elle est où, Jeanne? Maggie. Le démineur 9 secondes. Ça envoie, hein. C'est la classe. Alors, s'il n'y a pas de sortie? D'accord, c'est l'arnaque en fait. Je me suis fait chier à venir ici pour rien. Parce que des Champlars, il n'y en a pas ici. Bon, ben retournons dans notre forêt pour chercher. Il nous en manque combien? Il nous en manque 3. Oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, moi je vous le dis. Ah non, mais moi c'est pas marrant, moi c'est je vous assure je sais pas chanter, quoi. C'est enfin non, c'est même pire que pas chanter, c'est que je fais un vrai massacre. C'est à la limite c'est marrant 5 secondes, mais après vous avez juste envie de vous suicider des oreilles. Voyez-vous? Ah ben voilà, tiens. Paf. Suffit de ressortir et paf, on tombe sur du Champlar. À la corde sortie. Si on pouvait seulement. C'est vrai qu'on gagnerait du temps. Mais non, il faut sortir avec ces petits petons. Ça prend certes un petit peu plus de temps, mais... Oh, ça se veut un petit peu plus réaliste, on va dire. Allez, ils sont où les derniers? Mais arrête de courir comme une icône contre un arbre, ça sert à rien, tu vois bien que tu passes pas. Oh, il y en a un là. Oh, il y en a un là. Oh, le petit salaud. Il en manque plus qu'un, Le champignon. Il est où le champignon? Le petit dernier. Allez, un petit dernier champignon et après j'irai me coucher pour de bon. Parce que je commence à avoir les yeux qui piquent. Les yeux qui piquent, c'est pas un bon signe, ça. Ah, un live Pokéfion. Vous savez que si j'avais une capture 3DS, les Pokémouilles, ça irait. Hein. C'est pas des conneries. Hein.
capture carte 3DS et en avant les histoires. Oh, t'es sûr, Momiji, parce que c'est violent, moi. Hein. C'est très, très violent. Remarquez. C'est vrai que, bon, il y a tous ces jeux de karaoké, mais il y a aussi les Guitar Hero, les rock bands. Et même sans parler de chanter, puisqu'on pourra probablement chanter même dans les suivants, ceux qui vont sortir. Là, il y a la batterie, il y a la guitare, tout ça, quoi. Après, évidemment, il faudrait que j'ai une console récente. Mais qui sait, peut-être que ça arrivera. Oh, le petit saut complètement réussi. C'est beau. À Animal Crossing, j'aurais bien aimé. Malheureusement, encore une fois, il faut une capture carte de 3DS de mes deux. Il est où, bordel, ce dernier champi, il est où? Il est où, le Yuki? Un petit bac. Mais quoi, un bac baccalauréat? Genre, question de culture générale, tout ça? Ou complètement autre chose et je ne sais absolument pas ce que c'est. Petit champignon, je vais te trouver, je vais te manger. Oh putain, Tortue Ninja sur NES. Et petite anecdote, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, hein, mais Tortue Ninja sur NES, c'est le premier jeu vidéo de ma vie que j'ai eu. On m'avait offert, alors je sais plus si c'était pour Noël ou mon anniversaire, mes parents m'avaient offert la NES, le bundle, la NES plus Tortue Ninja. Et ben, c'est un des rares jeux de cette époque que je n'ai pas fini, et pas faute d'avoir essayé, hein, c'est que vraiment j'y suis jamais arrivé. Moi je crevais toujours. Dans le dernier couloir du Technodrome, c'est absolument catastrophique. Juste avant Shredder, en fait, je me suis rendu compte après, en regardant les Solus et en regardant plus tard les vidéos sur Internet, qu'en fait, je mourais juste avant le boss final, juste avant de pouvoir terminer le jeu. Ah, Ozu, alors Ozu, j'en ai entendu parler, mais faudrait que je me penche. Ah, Duck Hunt, pardon. Bon, on me l'avait prêté, c'était un de mes potes qui avait le jeu avec le pistolet. C'était chaud de la vie, quoi, c'était... C'était un truc de ouf. Avec le chien qui se foutait de votre gueule dès que vous loupiez tout. Ce qui avait une chance sur une d'arriver, hein, quand on était mauvais comme moi.
Ah, Super Mario sur NES. Classique. Classique de chez classique. Tellement bon. Alex Kidd. Sega Rally. D'accord, Sega Rally sur Master System. Je savais pas, c'est Sega Rally. Je connaissais le Sega Rally de Dreamcast. Non, de Saturn. Je commençais à dire des conneries. Mais et ben c'est celui de Master System, je ne connais pas du tout. Ah oui, c'est ça aussi que je pourrais faire éventuellement, lancer les jeux rétro gaming. Pourquoi pas faire du Retro Achievements, le site qui rajoute des achievements, pardon, au jeu rétro. Ça pourrait être rigolo. Alors que je vais péter un câble avec ce dernier champignon qui ne veut pas se laisser trouver. Je te trouverai, petit champignon, je te trouverai. Tu ne m'échapperas pas. Ne crois pas t'en tirer comme ça, si bon compte. Ah, c'est vrai que FTL. Bon, après, évidemment, moi j'attends avec impatience la sortie de l'extension d'Isaac. Oh, Yoshi's Story sur Nintendo 64, je l'avais. Je l'aimais bien, lui. Il était marrant. Pas forcément le plus dur de tous les jeux, mais il était très sympathique. Très très sympathique. Hearthstone, ça fait très longtemps, j'avais joué à l'époque de la bêta et après j'ai complètement lâché. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir. Voilà, attendez, petite pause et j'arrive. On va essayer de trouver le dernier champignon, mais sinon on va arrêter dans 10 minutes. Enfin, je me donnerai 10 minutes et si je trouve pas, j'abandonnerai, on reprendra peut-être une autre fois. Bref, petite pause, je reviens. À de suite.